Salut tout le monde! On espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire la wishlist de Noël de cette année. Et à la fin on va vous expliquer quelques trucs parce que je pense qu'on a des trucs à dire parce qu'on est très en retard. Donc c'est parti! Donc déjà, on va commencer par des Rainbow Eye. Du coup, on en veut deux. Du coup, il y a Parker Bella et puis Bradshaw Skyler. Donc Skyler fait partie de la série 1 et puis Bella de la série 2. Ensuite, on veut des Monster Eye et une en particulier. Du coup, nous avons pris la Monster Eye vraiment qu'on veut. C'est Dracula Music Festival. Elle est trop belle, cette poupée. Donc voilà. Ensuite, du coup, nous voulons une poupée Harry Potter. Il s'agit de Drago Malfoy. Donc, normalement, nous, on veut le basique et pas le Quidditch. Mais voilà, après, c'est pas grave si on a le Quidditch, mais pas grave. Ensuite, nous allons passer aux poupées BTS. Du coup, nous voulons Taeyong, Jin, Usopp, Jimin de la collection Prestige et un Yonggi. Et si on veut un deuxième Yonggi, c'est parce que... Bah, voilà. C'est parce qu'on en veut un deuxième, mais c'est parce que lui, il sera plus méchant, aigri et tout. Genre, il aimera personne en gros, à part nous, bien sûr. Dans tous les cas, on est déjà pote avec lui. Ensuite, ça, c'est pour la déco. Du coup, on veut des LED. Donc, des LED, bah, je pense que vous savez tous ce que c'est, quoi. Ensuite, on va passer aux albums. Du coup, on en veut deux. On commence par l'album I Love de J-Idol. Et puis, l'album de New Jeans, Gallop. Donc peu importe lequel, on en veut juste un. Du coup voilà pour la wishlist de Noël. Du coup, bah voilà. Maintenant nous allons passer à quelques infos qu'on vous doit parce que c'est vrai qu'on n'a rien donné comme info, enfin voilà. Comme vous le savez, normalement on devait poster l'épisode 1 de The Monster of the Night le 28 octobre. Sauf qu'on ne l'a pas fait parce que on avait commencé à tourner, à le faire. Sauf qu'il y a eu un petit truc qui a fait que... On pouvait pas continuer à tourner parce que, bah voilà, on a besoin de concentration pour faire quelque chose comme ça. Déjà que là, il y a déjà quelqu'un à côté de moi qui fait un milliard de bruit et que ça me saoule un peu, quoi. Je vous le dis, ne demandez jamais d'avoir des petits frères et petites sœurs parce que je vous jure que c'est énervant. Du coup, pour The Monster of the Night, on verra pour tourner la suite parce que bah là déjà, lundi, enfin demain, on reprend les cours. Et nous, bah, cette année, j'ai un brevet en fin d'année. Donc oui, je suis en troisième. Et j'ai pas envie de me foirer. J'ai plus envie de me concentrer sur mes études plutôt que tourner des vidéos et tout. Enfin, je dis pas que je veux pas tourner de vidéos, mais déjà que... Je sais plus c'était quand, mais il y a eu un petit malentendu. Donc bon. Mais bon, pour tout ce qui est vidéo de Noël et tout, normalement ça, c'est prévu. Bah déjà avec mon frère on devait faire une vidéo pour Halloween sauf que j'avais plus de stockage dans mon téléphone du coup bah on pouvait pas. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter si les commentaires ne sont pas désactivés. Et très prochainement nous allons refaire un caractère song Rainbow Eye parce que ça vous a beaucoup plu parce qu'on a quand même percé sur ça. 10K de vues, ouais mon Claudine arrête de dompter. Enfin bref, on vous souhaite un joyeux mois de novembre hein, et on se dit à la prochaine. Et précision, vraiment une big précision, il n'y a pas de date officielle pour la sortie de l'épisode 1. Voilà, c'est dit. On sait juste qu'il y a un truc officiel, déjà ce sera la vidéo de nos cadeaux de Noël. Voilà. Et on hésite aussi à faire un vlog. Genre on filme la veille du réveillon et puis genre on vous filme tous les réveillons et puis ça sert à rien parce que le 25 on fait rien donc parce que nous on ouvre nos cadeaux le 24 décembre à minuit donc c'est-à-dire le 25 à minuit quoi genre, vous avez compris genre en gros on fait le repas le 24 et genre quand il passe à minuit ben bah, genre on va se cacher pour que le Père Noël puisse aller chercher enfin déposer les cadeaux et puis après genre et après, notre mère, elle nous appelle et puis elle nous dit c'est bon, le Père Noël il est passé, vous pouvez venir. Et du coup, on ouvre nos cadeaux quoi. Genre, c'est tout le temps à minuit, genre on va dans une chambre ou autre chose, on fait genre on dort.
Et en attendant le Père Noël, il met les cadeaux. Et puis bah, après, notre mère, quand le Père Noël il est passé, bah, elle nous appelle. Et puis elle nous dit, c'est bon, le Père Noël il est passé, venez. Et puis on ouvre tous nos cadeaux. J'ai trop hâte. Et là, oui. Et Jungkook. Quoi? Tu sais que le 24, enfin le 25 décembre, ça va faire déjà un an qu'on est là. Ah ouais, j'avoue. C'est trop. Ouais. On sort toujours les membres de BTS avec Namjoon. Même si on lui parle plus. Bah moi, je suis là depuis 2 ans. Je crois. 3 ans, je crois. Bah moi, je suis là depuis des années. Je suis vieille. Mon chi. Oui. Moi aussi avec Draculaura, ça va bientôt faire 3 ans qu'on est là. J'ai pas survécu. Moi, ça fait depuis, je dirais, 2016-2017 que je suis là, donc je suis très 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 vieille. Comme vous pouvez voir, j'ai perdu mes tifs, mais il faut pas faire attention, hein. C'est un secret. Et moi, je dirais, ça fait un an que je suis là, ouais, à peu près, et j'appartiens à ma sœur. Fini. Je vous aime. Et ça, c'est les poupées de ma sœur. Voilà, Draculaura Halloween, Draculaura Spooky 600, Vénus, Laguna, Draculaura Halloween et Claudine G3. Voilà, c'est à ma petite sœur. Au revoir. Tu dis au revoir? Au revoir.